Et donc, salut à tous, c'est Clément 1325 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Minecraft. On est sur la map aventure Last of Us et c'est le dernier épisode comme je l'avais annoncé la dernière fois, parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol de cette série aventure, parce qu'elle va tout simplement laisser sa place à une autre série qui selon moi peut être un petit peu plus intéressante, mais vous comprendrez ça bientôt. Donc on va visiter ce petit bâtiment tant qu'il fait nuit et qu'il pleut, étant donné qu'on n'a rien d'autre à faire tout simplement, sinon on va se faire buter me connaissant. C'est quoi ça? On peut sortir? On va pas sortir. Et on va même monter sur le toit, si c'est bien sur le toit. Hop, avec un peu de chance il y a un truc intéressant, mais comme j'ai pas de chance il n'y a rien du tout. Et on va passer sur le bâtiment d'à côté. Hop. Nickel. Est-ce qu'il y a un autre truc intéressant ici? Il faudrait voir à peu près quel bâtiment on n'a pas exploré. Déjà cet hôtel-là et ça, on n'a pas exploré. Et après, le McDo qui est là-bas. Et donc je pense que la voiture qui va fonctionner va se trouver pas très loin, étant donné qu'il ne nous reste plus énormément de bâtiments à voir. Et donc... il va falloir se bouger un petit peu les fesses pour trouver cette voiture qui marche. Et ce bâtiment, il me dit quelque chose. Il me dit même beaucoup quelque chose. Tellement beaucoup quelque chose que je suis déjà mort ici, il me semble. Oh putain, il y a de l'orage. Hop. De pastèque. Ça va me permettre de survivre. Hop. Nickel. Et comme je connais déjà ce bâtiment, on va pouvoir se casser et repasser sur le bâtiment d'à côté pour aller voir s'il n'y a pas un truc intéressant à l'étage d'en dessous. Parce que au final, j'ai pas vraiment visité et il pourrait peut-être y avoir un coffre, voire deux. Avec un bouquin, génial. Et avec du cuir, ça sert autant à rien. On va relire les règles. Enfin les règles et les objectifs surtout. Hop, donc... Find food, ça c'est fait, on a coupé l'arbre, on n'a pas encore fait le refuge, et on n'a pas trouvé le véhicule qui marche. On doit trouver des vêtements et des soins, ce qu'on n'a pas fait. On a juste trouvé un casque, on doit faire un arc et des flèches, faire une map, faire une source de nourriture renouvelable, utiliser l'Empire State Building, l'antenne de l'Empire State Building, et dompter un loup. Mais on va dire qu'on s'en fout, parce que j'ai pas envie de me casser la tête. Donc là, de toute façon, vu qu'il fait nuit et que ça risque de pas changer tout de suite, on va essayer de visiter un petit peu. Putain, la tête de squelette, là, elle m'a fait un petit peu flipper. On va visiter ça vite fait, je suis sûr qu'il y a des trucs intéressants. Oh putain, on va se casser plutôt, ça m'évitera d'utiliser mon épée pour rien. Surtout que ça va pas servir à grand chose. Et surtout que si je suis en peaceful, il risque pas d'y avoir beaucoup de mobs. Bon, maintenant qu'il y a du people, on va retrouver l'entrée de métro qu'on avait vue l'autre fois. Et qui est je sais plus où. Putain. Si elle est là. Mais du coup. Piti piti piti. Viens par là. Merde. J'aurais pas dû l'appeler comme ça. Hop. Hop. Les archers ont droit à l'épée en fer parce qu'ils sont un petit peu plus chiants. Donc autant les buter plus vite. Après les araignées, on s'en fout. L'épée en bois, ça passe très bien. Hop, voilà. Creeper. Voilà. Même pas besoin d'utiliser l'épée. Hop. On prend quelques flèches, un os. Zombie pareil, épée en bois. On va rester dans l'alignement du zombie et du squelette si possible. Pour que le zombie se prenne les flèches à ma place. Mais le squelette n'avait pas tiré. Il a préféré attendre que je sois dans sa putain de ligne de mire. Va crever, va crever, va crever. Merci. Alors on va bouffer ça et on redescend. Et un cookie. Enfin on redescend. On descend tout court pour voir ce qui se trame ici. C'est une porte en fer, génial. Oh, trop cool le système du truc du métro. C'est vachement bien fait. C'est bien pensé et tout. Hop. Bah voilà ma source de nourriture renouvelable. Des petits cochons. Il faut faire pousser du blé et j'ai ma source de nourriture infinie. C'est plutôt pas mal fait. Qu'est-ce que tu veux, toi? 16 sucres pour une côte de porc. Va te faire foutre. Hop. Un bouquin. Oh putain, si on a une enclume, je vais pouvoir améliorer mon épée, mais comme pas possible. Et ça va être la fête du slip. Bon. Ah, je comptais prendre le minecart, mais les rails sont un tout petit peu endommagés. Donc, on va y aller à pied. Putain, il y a des chauves-souris, ça rase. Il y a du diamant. Peut-être que c'était pour ça qu'on avait autant de fer dans les coffres. C'était pour pouvoir récupérer le diamant et pour se faire une épée. Parce que là, pour le coup, j'ai un diamant, mais je suis baisé. Oh putain. Sans déconner. Il va falloir se grouiller parce que ça va prendre feu. Ah non! Pourquoi moi? Putain, sans déconner, vous le faites exprès de me pourrir la vie. Le mec qui a fait cette map est un pur sadique, mais... Bon, bah pour le coup, on va chercher vite fait la bagnole et on s'arrache avec. Parce que là, il y en a marre de crever. Bon, tu cours? Oh, pourquoi tu cours pas? Voilà. Allez, il court plus vite que ça, feignasse. Hop, nickel. En plus, il doit faire jour parce qu'il n'y a plus de mobs. Donc je suppose que ils sont pas apparus parce qu'il fait jour. J'ai testé la voiture verte. Elle marche pas. Doesn't take route. Elle ne démarre pas apparemment. Non. Je saurais pas traduire. Donc je vais éviter de dire une connerie. Et on va pas traduire tout simplement. Va crever toi. Putain, en plus à la main ça prend 3 plombes. Putain. Casse-toi, 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 casse-toi. Casse-toi. Voilà. Si je crie en chuchotant, c'est tout simplement parce que les murs sont assez fins ici. Donc j'évite un peu de gueuler. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sens encore la connerie. J'ai plus que 2 cœurs. Et j'ai pas suffisamment de bouffe pour que ça remonte. Donc je sens que je vais me faire buter. Et une plume. Là-bas il y a un autre coffre. Hop. Une plume. Bon, j'en ai ras le bol. Ah, il y a encore un coffre. Rien du tout. Va te faire foutre, Clément. Bon. Alors, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de monter tout en haut pour voir ce qu'il y a. Hop, c'est celle qu'on va faire. Ah, ça met rien, creeper. Et je suis pas sûr qu'on puisse monter plus haut. Si, là, il y a une échelle. Comment on y accède? Il faut trouver un moyen d'accéder à cette échelle à la con. La méthode la plus simple, on va dire, c'est de péter le mur. Mais bon. C'est la plus simple, mais pas forcément la plus rapide. Le creeper arrive pas, donc ça c'est bon. Et au hasard, hop, on va espérer que il y a une sortie en haut. Et évidemment, il n'y a que dalle. Hop, ça veut dire qu'il y a un truc en bas. Il y a une trappe. Oh bien. Ça y est, ça t'amuse, l'auteur de la map, de m'enfermer comme un couillon. Putain, 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 putain. Ça va, ça se pète vite, c'est de la laine noire. Ça se pète moyennement rapidement. Ça doit être de la stone. Bon, maintenant que je me suis fait troller, on va pouvoir y aller. La curiosité est un vilain défaut, franchement. Ah, il pleut encore, génial. Donc, on n'a pas visité le McDo. On a visité l'espèce d'hôpital. Mais là-bas, ça, on n'a pas visité. Donc, let's go. Hop, hop. Et je me souviens plus si j'avais eu le temps de tester les deux bagnoles là-bas. Hop, on va voir ce qu'il y a dans ce McDo. Piqué. Oh, c'est des putains de radins. Pff, la rotten flèche. Non mais sans déconner, vous avez rien de pire. Bon, il y a un étage. Avec un peu de chance, il y aura d'autres trucs. Et merde. On se casse. Donc... Là j'ai vu un coffre je crois. Ouais. Mais bon. Voilà. Ça va beaucoup me servir. Je peux même plus courir, ça fait chier. Apparemment ça c'est un bâtiment dans lequel on peut rentrer. Ah putain, il me reste un demi-cas, je vais le trouver là. Bon. Bon. Pour la peine. On va traverser ce mur. Parce que c'est un raccourci en fait. Et comme ça, ça nous évitera de nous casser les couilles à faire le tour à chaque fois. Voilà. Comme ça, on pourra y accéder 15 000 fois plus facilement. Maintenant que j'ai plus du tout d'équipement et que je vais crever tous les 2 mètres. Allez. Voilà. Ce truc, il me semble que j'ai testé... Mais du coup, il faut aller voir les trucs là-bas. C'est dans quel bâtiment que je suis mort? C'est dans celui-là, là-bas. Enfin, que je suis mort. Que je me suis fait piéger. Donc celui-là, on l'a pas visité. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait une voiture. À l'intérieur du bâtiment. What the fuck? C'est quoi cette jungle? Ah! J'en ai marre de ces conneries de creeper de merde. Cassos. Si d'un autre côté ça me dit ouais, c'est celui qui m'a permis de monter sur l'Empire State. C'est une de celles-là qui va démarrer logiquement. Ou alors non, les deux là-bas je les ai déjà testés. Donc logiquement c'est une de celles-là. Pourquoi vous crevez pas? Il fait un beau soleil. Allez, allez vous faire foutre. Celle-là ne marche pas. J'aurais dû m'en douter. Celle-là ne marche pas. Celle-là, j'ai déjà testé vu qu'il y a un gros trou au milieu. Allez, cours. On peut pas, on peut rien faire. Ça, c'est l'Empire State. Oui, c'est ça. Donc on l'a déjà visité. Mais donc what the fuck? Pourquoi il n'y a aucune voiture qui marche? Il me semble pourtant qu'on les a toutes testées. La batterie est morte. Bon, au moins celle-là elle a répondu. Que toutes les autres que j'ai pu tester là-bas, soit ça voulait dire que je les avais déjà testées et que on a les infos que si le levier est dans une certaine position, soit ça veut dire que et eh ben j'ai pas eu de cul et qu'il n'y a aucune voiture qui a marché. Ah oh, putain de tasse. Allez cours. Cours putain de feignasse. C'est ta seule chance de sauver de ta vie du con. Allez. Le moteur est complètement mort. Et si la voiture pour partir de la ville... C'était la péniche. Allez, on tente. Ça passe. Hop. On va voir, il y a peut-être des trucs intéressants. Qui sait? Il y a un sous-sol déjà. Là, il n'y a que dalle. Là. Et que dalle. Go sous-sol. En espérant qu'il y ait au moins un truc intéressant. Potion d'invincibility. Invisibility. Ça peut être très utile. On en a pour 3 minutes donc du coup. La prochaine zone pleine de mobs, je boirai ça. Et je pourrai survivre. Normalement. Encore un gold nugget. J'ai franchement pas de bol. Hein. Ou alors c'est que je suis franchement pas doué. Dans tous les cas, ça nous mène pas à la victoire pour l'instant. Donc, on va repartir par là et on va tenter le pont. Parce que le mec, je pense pas qu'il ait construit un pont pour rien. Est-ce que j'ai testé la voiture jaune? J'en sais rien. J'en sais rien. Vu que c'est ouvert, je pense que oui. Taxi. Non, ouais, le taxi. On l'avait déjà testé. Putain, je peux même plus courir. Ça va à 2 à l'heure. Oh putain, il y a une bagnole au bout. Et si c'était celle-là? Hein? Et si c'était la bagnole de la rédemption? Ouais, elle est à moitié en dehors du pont quand même. Un lingot de fer et une pomme en or. La pomme en or, je vais la manger vu que ça permet de regagner la vie. Mais j'hésite un petit peu à rentrer dans la voiture. Ouais. J'aurais dû m'en douter. La voiture ne peut pas démarrer car elle est trop loin. Elle dépasse trop du pont. Hop. Et comme un con, je me suis bloqué. Hop, on se casse. Et j'aimerais bien voir si on peut accéder à l'autre pont. J'en doute un petit peu, mais qui sait. Hop. Déjà. Oh, allez vous faire foutre. Sérieusement. Hop. Moi, je m'arrache. Et je vais voir par où on peut accéder au pont bleu. C'est parce que ça m'étonnerait que la voiture soit dans ce bâtiment-là. Hein. En plus, on peut pas monter tout en haut. Je me suis déjà fait piéger. Bois ça. Là. Tu ne me vois plus. Ah si, elle me voit. Ah, pourtant, je suis bien invisible. Putain. Un truc. Déjà vu. Et merde. Hop, on va traverser par le chemin le plus court. Et comment qu'on pourrait accéder au pont? Sur le truc jaune. Enfin, belge. Est-ce qu'on pourrait y accéder facilement à ça? J'ai des gros doutes. Mais c'est le seul endroit où on n'a pas encore vu de voiture. Donc, c'est possiblement l'endroit où il y a des voitures. Putain. Ah oui, on n'a pas visité l'hôtel encore. Donc on va y aller. Mais je pense qu'il va falloir accéder à ce pont de merde. Allez. Allez, cours. Ah, mais on l'a peut-être déjà visité en fait. Maintenant que je vois ça, ça me dit quelque chose. Bon. On va rentrer. Hop. Ça me dit quelque chose d'un côté, mais d'un autre, ça me dit que je l'ai pas visité. Hop, on bouffe un cookie. Hop. Oh putain, heureusement que je suis invisible. Il va falloir se grouiller. J'en ai plus que pour 1 minute 15. J'étais invisible, enculé! Bon. Et bah vous savez quoi? Je suis désolé, mais je vais tricher. Voilà. Et on va aller voir si la voiture est sur ce fucking pont. Ce dont je commence à douter. Ouais, la voiture n'est pas là. Hein. Alors elle est où, bordel? On va regarder un petit peu la map pour voir ce que j'aurais pu manquer. Mais normalement, j'ai tout visité. Hein. Je vois pas où c'est que j'aurais pu manquer quelque chose. Normalement, j'ai tout vu. Hein. Hop, ça. On n'y est pas été encore. Bon, on s'en fout. On va voir comment on pouvait y accéder. On va visiter un petit peu, quoi. Mais ça me fait franchement chier de ne pas avoir trouvé... la voiture qui fonctionnait. Hein. Là, ben, on aurait pu accéder par là. Et qu'on y accède par ici. Du coup, on va tester toutes les bagnoles. Ça, je l'avais testé ou pas? Le truck doesn't work. Celle-là, oui, je l'ai testée. Et on va la retester. Putain, mais comment ça se fait que j'ai pas trouvé cette putain de bagnole? Ah, on va aller voir tout en haut aussi. What the... Bim. Hop, là l'escalier est réparé. C'est une grande bibliothèque labyrinthe où j'aurais pu enchanter mes épées. Et est-ce qu'on est tout en haut? Allez, hop. Ouais, on était à peu près en haut. Du coup, où est cette putain de bagnole? Ah. Et ben, on va aller visiter le métro en plein. Parce qu'au final, on n'a pratiquement rien vu. Vu que je suis mort en plein milieu. Allez. Bim. Hop, nickel. Et... on va aller voir à l'autre bout ce qui peut se cacher. S'il y a bien quelque chose qui se cache et si je n'aurais pas fait le trajet pour rien. Bah, limite presque heureusement que je suis mort. Presque, hein, je dis bien. Parce que c'était un petit peu la merde. Ah, d'accord. Le trou dans lequel j'étais tombé menait dans le métro. En fait, j'aurais pu récupérer mon matos. Si je l'avais su. Mais comme on le savait pas, c'était la merde. Ouais, bah j'aurais rien pu récupérer du tout. J'aurais pas réussi à retourner jusqu'ici, je pense, sans crever. Mais bon. Mais bon, où est cette foutue bagnole? Donc, j'ai une petite idée. On va faire une petite pause pendant laquelle je vais aller tricher allègrement sur internet. Et on se retrouve juste après pour que je vous dévoile... Ah bah voilà, les soins on les a trouvés. Ça on aurait pu les prendre tout à l'heure, ça compte pas que j'ai triché. Et on va voir quelle voiture fonctionne. Allez, à tout de suite. Et c'est reparti tout le monde. Je crois avoir trouvé la solution. Et je dis bien je crois parce que je suis pas sûr du tout de ce que j'ai vu. Donc, on va voir si on peut s'en sortir de ce bordel. Pourquoi ça lag? Ça lagouillait un tout petit peu. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc ici? Si, un grand coffre, mais qui ne sert à rien. Bon, la porte, elle dégage. Et apparemment, donc, la voiture qui fonctionne n'est pas vraiment une voiture. Je m'explique. Enfin, c'est un engin motorisé, certes, mais ce n'est pas une voiture. Et apparemment, c'est cette fucking ambulance qui fonctionnerait. Je sais pas pourquoi l'autre fois elle a pas fonctionné avec moi. Allez. Mais c'est ce que j'ai vu dans la vidéo. J'ai regardé la vidéo d'un autre youtubeur et apparemment il démarrait une ambulance. Y aurait-il une autre ambulance? Peut-être, j'en sais rien. Oh, sans déconner. Ah, je suis peut-être un peu bas. Oups. J'ai peut-être pété un truc. On va pas passer par là. On va aller à l'intérieur, voir s'il n'y a pas une autre ambulance. Ah ouais, il a tout rempli en plus. C'est pas un malade, le gars. Bon. Et ben, comme c'était un cuisant fail, on va refaire une ellipse et je vous retrouve encore après. A tout de suite. Bon, je viens de re-regarder la vidéo et il s'avère que c'est bien ce véhicule qui fonctionne. Je ne sais pas pourquoi, moi, ça veut pas. Allez, démarre. Ah, ta race. Normalement, c'est censé être ce véhicule qui démarre. Donc, eh ben, vous avez très bien vu que ça ne fonctionne pas. Donc on va essayer de trouver la zone de fin par nous-mêmes. Étant donné que normalement on est téléporté. Je pense qu'elle doit être au bout du pont. Je suis pas sûr du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. On verra bien. Mais si c'est le cas, on va pouvoir accéder au bouquin qui nous explique un petit peu la fin. Oui, voilà. Je pense que c'est par là. Hop. Pourquoi il n'y a rien là? Ah ouais, c'est la fin de la map carrément. En mode feignasse il t'a fait ça. Mais n'importe quoi hein. Et là, ça s'arrête. Normal. Bon. Et ben je ne vois pas où pourrait être cette zone de fin à la con. Mais j'ai l'impression que la map était buggée donc. Étant donné que je ne peux pas la terminer par moi-même. Ce qui est un petit peu dommage. Je vous l'accorde. Mais j'ai envie de trouver cette putain de zone de fin et de lire ce bouquin de fin, bordel. Et pourtant, c'est la seule ambulance qu'il y a. Hein. Et dans la vidéo que j'ai vue, c'était bien une ambulance. Hein. Et ça lui marquait « This one works ». Hop. Et cliquez sur ce bouton-là. Et ça marchait. Mais apparemment, le jeu veut se foutre de ma gueule. Et c'est pas gentil. Peut-être y aurait-il une seconde ambulance? Ou bien il y a une voiture qui... Il y a une voiture qui... Qu'est-ce que je voulais dire? Que je n'ai pas testé, ce qui m'étonnerait, mais... Mais ça me fait chier. Hein. Je comptais la terminer proprement dans les règles. Hein. Mais apparemment, c'est pas possible. C'est vraiment de la bâtardise absolue, ça. Je veux juste voir la zone de fin, du coup. Est-ce qu'elle serait dessous? On n'a qu'à descendre un petit peu pour voir. Hop. Et non, j'ai pas l'impression qu'elle soit dessous la zone de fin. Ou alors il a enfermé. Ce qui m'étonnerait. Je pense que c'est plein. Hein, c'est pas la peine de creuser jusqu'à l'autre côté. Hop. On va remonter. Et putain, ça fait chier. Il n'y a pas une autre ambulance sur cette map. Oh, pourquoi ça lag? Je sais pas. C'est n'importe quoi ce truc. Il n'y a pas un trou par lequel on peut passer? Si, là. Voilà, pour la peine, je pète la fenêtre. Oh, ça me fait chier! J'étais sûr que ça allait se finir correctement, ce truc. Mais même en trichant et tout ce que je peux faire, ben, il y a un truc qui déconne. Ça m'énerve au plus haut point. Donc voilà, la vidéo est finie, j'en suis désolé. Si vous tenez à voir la fin correctement, vous cherchez tout simplement sur YouTube Minecraft map Last of Us. Il n'y a peut-être même pas besoin de mettre le mot map. Et vous mettez ending à la fin. Et normalement, il y a une vidéo d'un Français en plus qui tombe qui tombe sur cette map là, enfin qui réussit à la finir justement. Et comme ça vous pourrez voir la fin. Donc voilà, j'en suis complètement navré, mais cette map aventure ne se finit pas bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir, ça me fait très plaisir. Et donc d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne continuation à tous, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao! Now I know the only compass that I need, oh, is the one